La musique sur vos vidéos YouTube, c'est quelque chose qui peut vraiment aider à ce que des personnes restent beaucoup plus longtemps sur vos vidéos YouTube. Et ça, c'est quelque chose de super important parce que l'algorithme YouTube aime énormément que des personnes viennent sur nos vidéos et qu'ils restent pas juste au début, mais qu'ils restent le plus longtemps possible. Et c'est bien normal, c'est comme ça qu'ils mettent des pubs sur YouTube et que ça leur permet de gagner un petit peu d'argent. Du coup, une des questions qu'on peut se poser, c'est où trouver des musiques de qualité pour nos vidéos et surtout du coup libre de droit, parce que jamais on veut monétiser notre chaîne YouTube, on veut pas que notre chaîne soit démonétisée à cause d'une histoire de droit d'auteur. Et du coup, si ça vous intéresse, je vais vous partager dans cette vidéo le service que j'utilise, et je suis vraiment super content d'utiliser ce service parce que ce qu'il propose, je crois que c'est largement mieux que ce que j'ai pu voir par ailleurs vu le prix qu'il propose. Donc si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin, c'est parti. Je m'appelle Ricardo Da Silva et je partage régulièrement des conseils et des outils pour vous aider à développer votre business à l'ère du digital. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner et également activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Activez bien toutes comme ça sur la cloche, comme ça vous allez rater aucune des vidéos qui seront bientôt publiées. J'aimerais tout de suite vous dire que vous pouvez avoir une liste d'outils vidéo sur www.digiselling.com/outils vidéo. Et dans cette liste, vous allez avoir des outils qui sont simples pour faire plus de vidéos, mais souvent ces outils, on les connaît tout simplement pas, et c'est dommage parce que ça nous empêche de créer peut-être plus, de vraiment mettre plus de vidéos en ligne, de servir mieux notre audience. Et c'est ce que j'ai envie de faire dans cette chaîne YouTube, de partager avec vous des outils et des conseils pour vous aider à développer votre business à l'ère du digital. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, dans cette liste vous allez avoir notamment le service que j'utilise pour avoir des vidéos de qualité. Ce service, c'est Envato Elements. Et ce que j'aime énormément dans service, c'est que bien évidemment vous allez avoir des musiques de qualité, c'est le sujet de la vidéo, mais vous n'allez pas avoir que des musiques de qualité. Et ça, c'est super parce que c'est un service où il y a de la musique, mais pas que de la musique. Et quand vous faites de la vidéo, vous avez aussi parfois besoin de petits éléments, par exemple des petits trucs qui se baladent dans nos vidéos du style abonnez-vous, des petits trucs comme un petit j'aime sur les vidéos, etc. Enfin, vous voyez ces petites choses interactives que vous avez déjà vues dans cette vidéo si vous êtes si vous êtes encore là, mais normalement vous êtes encore là si vous me voyez, et vous avez déjà vu dans ces vidéos des petits éléments qui s'affichent. Et tout ça, c'est, vous avez là, quel que soit votre logiciel de montage, After Effects, etc., des choses vraiment intéressantes qui sont là. Donc voilà, je voulais aussi souligner tout ça. Donc quand ils disent abonnement créatif illimité, tout de suite quand on voit le mot illimité, des fois on se demande si c'est pas un petit peu trop exagéré. Et bien évidemment, il n'y a rien d'illimité, mais en tout cas ici il n'y a rien d'illimité. Notre monde est limité, mais voilà, là on voit bien que le mot illimité, il est quand même pas trop exagéré vu quand même tout ce qu'il propose. On va dire que c'est quand même, il propose tellement de choses que on va dire que c'est presque illimité pour votre créativité. Et donc là, au niveau des musiques, bien évidemment vous avez plein de types de musiques et vous pouvez utiliser les filtres ici pour trouver celle qu'il vous faut. Imaginons que vous voulez une petite musique avec de la guitare acoustique, et vous avez doux et sentimental. Si jamais vous faites une vidéo où en fait vous avez besoin de ça, et vous avez ici Audio Jungle, c'est pas sympa, voir si ça vous plaît, etc. Vous pouvez aussi tout simplement utiliser le moteur de recherche. Imaginons, je cherche une musique pour un podcast, pour un vidéo podcast. C'est un petit peu à la mode de faire un peu les deux. Et vous tapez podcast et vous voyez ici vlog, etc. Enfin, voilà, vous pouvez faire votre petite recherche en tout cas avec les filtres. Plus tout ça, vous allez pouvoir trouver ce qu'il vous faut. En tout cas, c'est sur cet outil que nous trouvons toutes nos musiques, et je vous invite vraiment à tester tout ça sur www.digiselling.com/envatoelements, et vous allez pouvoir voir tout ça. Et au niveau du prix,
En fait, je vois que c'est même possible d'avoir un petit compte gratuit, hein, donc n'hésitez pas, hein, via le lien, inscrivez-vous. Et puis, si jamais vous ne voulez pas tout de suite acheter, tout de suite, et puis ben là, vous démarrez dès maintenant et vous voyez que ça commence à 14,50€ par mois. Et vraiment, pour ce prix-là, avoir tout ça, je trouve que c'est juste intéressant. Enfin, super intéressant même. Vous avez un abonnement et vous avez ici des millions d'actifs numériques créatifs. Vous pouvez vraiment, vous avez une licence commerciale, vous résiliez à tout moment. Donc voilà, vous pouvez payer, je pense, aussi à l'année. Ça va peut-être vous donner un avantage, je ne sais pas, c'est possible. En tout cas, tout ça, c'est un service que nous, on peut plus s'en passer. On l'utilise pour vraiment toutes nos vidéos où il y a de la musique. Donc voilà, je voulais vous en parler. Vous pouvez aller dessus et voir si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller récupérer aussi votre liste d'outils sur www.digiselling.com/outils-vidéo et dites-moi en commentaire quels autres types d'outils vous cherchez pour faire plus de vidéos, parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous cherchez pour que je puisse faire des nouvelles vidéos et vous aider. Mettez un petit j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez bien la petite cloche pour ne rien rater et vous pouvez regarder d'autres vidéos par ici qui vont vous aider à développer votre business à l'ère digitale. Il y a déjà plein de vidéos, donc n'hésitez pas. Je vous dis à tout de suite, ou sinon, si ce n'est pas tout de suite, je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo qui sera bientôt sur la chaîne.